Je tiens une classe inclusive. Donc, dans ces classes inclusives, donc, nous recevons des enfants voyants, n'est-ce pas, et des enfants aveugles, des enfants malvoyants. Et nous dispensons des apprentissages, les mêmes apprentissages pour tous les élèves. Donc, voilà, ici, nous avons un enfant malvoyant, non-voyant. Celui-là, il est malvoyant. Il est malvoyant, mais il n'utilise pas le braille. Il écrit en noir. Peut-être il a des lunettes pour corriger sa vision. Alors que lui, donc, il utilise, n'est-ce pas, le braille pour lire et pour écrire. Et pour cela, donc, ils ont leur matériel spécifique. Donc, quand les autres élèves, les voyants, utilisent des cahiers, des bics, ou bien une ardoise, eux, ils utilisent une tablette. Voici la tablette. Donc, cette tablette lui permet d'écrire à l'aide d'une feuille ou bien d'un cahier confectionné, n'est-ce pas? Et son poinçon qui lui sert de bic. Donc, la tablette est construite de façon à ce que chaque cellule est faite de cellules. Donc, les petits rectangles que vous voyez, on les appelle des cellules. Donc, c'est fait de cellules. Dans chaque cellule, nous avons 6 points. Donc, les 6 points sont placés de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Donc, nous comptons les points 1, 2, 3, du haut en bas et de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque cellule me permet d'écrire une lettre. Bien. Donc, si par exemple, il doit écrire, par exemple, son nom, Mamadou. Pour écrire Mamadou, donc, il doit écrire d'abord le M. Le M s'écrit dans une cellule. Bien, pour écrire M, tu prends quel point, Mamadou Kébé? 1, 3, 4. Donc, 1, 3, 4, vas-y. Ensuite, tu mets A. A, c'est le point. E. Ensuite, M. A. D. 1, 4, 5. O, 1, 3, 5. U, 1, 3, 6. Très bien. Donc, là, il vient de nous écrire son nom à l'aide de la tablette. Donc, vous voyez, quand il pique avec le poinçon, donc nous allons voir des points saillants. Donc, c'est à partir du toucher, n'est-ce pas, qu'il arrive maintenant à lire ce qu'il a écrit. Donc, il utilise le bout de ses doigts pour lire. Mamadou. M, A, M, A, D, E, U. Mamadou. Pour faire des calculs, par exemple, ils ont un autre matériel. Donc, ça s'appelle le cubarithme. Le cubarithme est là. Voilà, le cubarithme. Donc, ils utilisent des cubes, n'est-ce pas, pour poser des opérations. Ce cubarithme lui sert d'ardoise. Donc, vous savez que les aveugles ne peuvent pas poser, n'est-ce pas, des opérations sur feuille. Donc, ils les écrivent horizontalement et avec leur cubarithme, ils les posent verticalement, ils les effectuent et ensuite, ce qu'ils trouvent, ils vont reporter ça, n'est-ce pas, dans le cahier. Les malvoyants, donc, seulement ils ont des problèmes de vision, mais eux, ils travaillent avec le noir comme les autres élèves, comme les voyants. Donc, eux, ils utilisent des cahiers et des bics comme les autres. Seulement, dans les classes, leur disposition, n'est-ce pas, on tient compte, n'est-ce pas, de leur place, des places qu'ils occupent. Donc, d'habitude, on les met devant. Parce que comme ils n'arrivent pas à voir correctement, on les met devant. Et l'enseignant qui a une classe inclusive aussi doit s'appliquer et doit savoir écrire gros pour permettre, n'est-ce pas, aux malvoyants de suivre comme les autres. Et les non-voyants, les apprentissages que nous faisons, donc nous allons faire un travail supplémentaire en préparant nos leçons. Les référents, bon, ce sont les référents, ils ont des maîtres qui les suivent en cours de renforcement. Ces référents-là préparent les leçons que le maître tutélaire doit faire en classe. Donc, les situations que nous utilisons en classe seront transcrites en braille avant qu'on soit en classe. Mamadou Kébé est un élève très brillant. Maintenant, il fait le CM1. Il est en classe de CM1. Et d'habitude,
il est très bien classé lors des compositions. Et vous savez qu'au niveau de l'IF de Guédiaway, nous faisons des compositions standards, des compositions standardisées. Et il suit comme les autres. D'habitude, on n'a pas les épreuves la veille pour pouvoir transcrire. Parce que nous recevons les épreuves le jour même de la composition. Donc, il fallait, n'est-ce pas, les avoir, transcrire les exercices avant de les administrer aux élèves. Mais lui, quand on administre les épreuves aux autres, il suit en même temps. Et ce qui est bizarre, ou bien ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à trouver ce que les voyants ne peuvent pas trouver. Il fait partie des premiers de la classe. Je suis allé à la leçon, je suis allé à l'exercice. Je suis allé à la leçon. Je suis allé à la directeur de société.